Putain, encore un intermittent. Revenez, monsieur. C'est ridicule. Je sais pas si ça marche, mais c'est pas grave. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Bon, ben, bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo. Rapproche-toi un peu plus. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'accueille monsieur Arthur Coriolan, aka Coriolan. Je sais pas si vous l'avez vu, on a tourné un clip récemment qui s'appelle « Jusqu'à la mer ». Qui est l'un de tes titres de ton nouvel album. Ouais. Je sais pas si on peut dire qu'on l'a tourné récemment parce que ça commence à faire un petit moment. Ouais. La sortie est récente, mais on a tourné ce clip en avril 2021. Donc toi, t'es harpiste et tu viens de la forêt. J'ai lu ça. Il paraît, ouais. Et ben oui, ben pour me résumer succinctement, c'est ce que je suis. Donc j'ai pas pris la forêt avec moi, mais j'avais de la place pour la harpe. Moi, j'ai envie de vite fait de parler de ton album. Là, tu le sors bientôt, okay. C'est ça? Bah oui, je suis super excité parce que ça fait quelque chose comme 4 ans que je bosse dessus maintenant. Enfin, la première chanson sur laquelle j'ai bossé pour l'album, c'est Jusqu'à la mer. Ouais. Et du coup, à la base, je pensais même pas faire un album, je pensais juste faire un single. Et du coup, très vite, j'ai eu envie de faire un clip, donc j'ai pensé à toi direct. Dans cette vidéo, l'idée, en fait, c'est de parler de ce clip qu'on a sorti, de parler aussi du tournage qui a lieu il y a un an dans un contexte un peu particulier, puisque on était entre deux confinements, il y avait un couvre-feu. Ouais. Et il fallait qu'on trouve le bon moment pour filmer tout ça. On va réagir à quelques vidéos, donc on va réagir au clip, à quelques vidéos tirées des images making of. On va essayer de vous donner quelques secrets et quelques tips, et on espère que ça vous donnera envie aussi de faire vos clips et de voilà, réaliser des choses, parce que c'est ça, l'idée, c'est de faire des belles choses. J'ai tout dit. Des plans déjà un peu nature. Moi, je me souviens, ben ça, je crois que c'est les premières séquences qu'on a tournées, ouais. En fait, quand tu montes la dune. Carrément. Faut savoir que derrière, en fait, il y a toute une ville. On le ouais. voit pas, mais si je tourne un tout petit peu la caméra à droite, là, on a plein de bâtiments et tout. Ouais, t'as pas trop de marge de manœuvre sur les plans. Là. Ouais. Et surtout, moi, j'ai remarqué de suite, on avait du vent. Et j'avais très peur pour le matos. Avec ça. Ouais, voilà. Et justement, ce clip, il est tout en caméra portée. Parce que... en fait, j'aurais pas osé poser un trépied dans le sable. Ben moi, je me souviens, genre, ce qui s'est passé, c'est que du coup, on avait prévu de tourner ça sur une semaine, sur 3 jours en avril. Et puis, genre, une semaine avant, tu me dis, en fait, y a un gros coefficient de marée, on aura les plus grosses vagues de l'année, et même je crois que c'était exceptionnel d'avoir des vagues aussi grosses. Enfin, il y avait une histoire comme ça. Je sais pas, mais par contre, ouais, c'était la période des grandes marées. Ouais, on aura l'occasion d'en reparler sur les plans nuit. Je pense qu'on peut dire quelques trucs sur, sur les plans drone, quoi, parce que c'est une énorme plus-value, quoi. Magnifique plan drone de Pascal Bourguignon, vraiment qu'on peut remercier parce que. Il a été adorable, il nous a fait des supers images. Là. Bah lui, c'est un spécialiste de la photo aérienne. Ouais, donc ouais. Il fait de l'ULM et bah là, en l'occurrence du drone. Et du coup, c'est une connaissance à toi, parce que moi, je le connaissais pas. C'est toi vraiment qui a apporté... je crois qu'on avait dit que ça serait cool d'avoir des plans drone ou des plans aériens. Ouais. Et tu m'as dit, ah, bah, je connais quelqu'un, mais c'est pas sûr qu'il accepte, quoi. Bah, c'est parce qu'il est bien occupé. Et donc, ouais, il a accepté direct, c'était cool. Ouais, et puis pareil, nous on avait vraiment cette idée de veine un peu sur les rivières, et il nous a dit j'ai un spot. Et surtout, bah, nous on lui a laissé un peu, on avait quelques directives pour Pascal, quoi. Ouais. Mais on a reçu les plans, on était dingues hein, tous les deux. Hein. Ouais, on a vu ça, on a fait ok. Le corps entre l'eau et les pierres. C'était le passage le plus dur à monter du clip. Et le plus dur à jouer pour toi, parce que t'as une sorte de vision d'un autre toi. Mon regard acting studio. Et du coup, en fait, c'était un passage assez difficile déjà en termes de compréhension, même scénaristique. Pour toi, c'était dur à jouer. Et après, ça a été assez dur à monter pour qu'on comprenne tout ce qui se passe. Donc, il y a beaucoup de trucs en fait qui passent dans le clip parce que je les ai mis au ralenti. Sachez-le, quand vous mettez quelque chose au ralenti, ça gagne un level de classe qu'il n'y avait pas avant. Ouais. Ensuite, il ne faut pas en abuser, bien sûr. Tes bras enlacent mes
Brahma. Il est 6h52. Il fait nuit. Il fait tout à fait nuit. Il fait trop nuit. Il fait un peu froid. L'océan est terrifiant. Donc on reste dans la voiture. Ouais, on a trop peur. Donc ça, c'était le premier matin. Parfois, limite, tu te retrouvais tout seul sur le rocher entouré d'eau. Il y avait un... Ouais, j'ai pris la flotte quand même ce matin-là. Ah ouais, mais c'est ce qui a donné le plan iconique. Et en fait, tu galérais avec la lampe. Ouais, je devais tout le temps remettre de la mèche, sinon elle s'était mise super vite. Mais c'est vrai que le matin, là, en arrivant de nuit sur mon petit rocher avec la marée haute, j'étais... ça va, hein. Je voulais des belles images, quoi. Parce que... Ah ouais, on est allé les chercher, les images. Ouais. Tiens, je te donne de l'eau. Trop bien. Continue. Allez, on continue. Pareil, il y avait tout un truc un peu complexe à trouver au niveau de l'étalonnage, puisque les lumières étaient quand même très différentes entre les séquences. Et finalement, je trouve que je ne me suis pas trop mal démerdé pour réussir à créer une homogénéité dans tout ça, quoi. Et tu te souviens, au tout début, c'était des rivières rouges, même au scénario. Ouais. En fait, ça marchait pas du tout, quoi. Ça devait évoquer un peu le sang, etc., comme si une chanson assez sombre, finalement, dans ses paroles. Et ça marchait pas. Donc, on a gardé une tonalité naturelle, et c'est mieux comme ça, finalement. Carrément. Ben, ouais, après, de toute façon, entre l'idée première et le résultat final, il y a tellement d'étapes de réalisation que tout se modifie à chaque fois. Ça, c'est un truc que je vous avais déjà dit dans une autre vidéo où je vous donnais des conseils pour réaliser un court-métrage. Entre la première idée que vous avez et le résultat final, il y aura un gap énorme. Et ça peut être déroutant. Que ce soit à l'écriture, au tournage et au montage, il y a toujours des éléments chaotiques. C'est ça, à gérer. Mais j'imagine que dans la musique, ça doit peut-être être un peu pareil. En tout cas, dans ma manière de fonctionner, mais je pense pour beaucoup de gens. L'art, c'est aussi de la surprise. Il faut être ouvert à ça et ouvert au plantage aussi. Et pas se formaliser sur le fait de « j'y arrive pas ». Parfois, un autre jour, ça marche. Parfois, on fait demi-tour et ça marche mieux. Il n'y a pas de règle, en fait, quoi. Sur cette chanson, j'ai pas fait trop d'aller-retour au final. Elle a quand même un peu bougé depuis la première version, mais par rapport à d'autres de l'album, pas tant. Et puis, j'imagine, voilà, il n'y a pas de règle. Il y a des chansons qui viennent de suite et d'autres qui... Tu galères. Ce plan incroyable où j'ai dû monter sur une dune. L'ascension de la dune avec la Black Magic. Une grosse prise de risque que nous avons là. Il faut se donner du mal pour certains plans. Donnez-vous du mal, mais vous faites pas trop mal non plus. Dans la limite du raisonnable. Dans la limite du raisonnable. Ouais, mais alors le... Quand même, le spot de tournage était fou, quoi. Ouais. Cette côte atlantique, là, des plages magnifiques où il y avait Saint-Père quand on y a tourné. Ah ouais, non, mais c'est fou, c'est ces sortes de plages infinies, en fait. On a l'impression qu'on n'arrive jamais au bout, quoi. Avec ces couleurs un peu désertiques. Et du coup, bah, la fin, hein, que je trouve le plus réussi du clip, dès la V1, on avait déjà le montage qui fonctionnait sur la fin, quoi. Faut savoir sur... Là, il y a du sable. En fait, c'était un filet de pêche que j'ai effacé. Ouais, et puis, j'ai supprimé beaucoup de traces de pas aussi. Ouais. En vrai, ce plan-là, c'était pas un plan évident parce qu'en plus, c'est un des rares moments où il y avait du monde sur la plage. On avait repéré deux plages et le seul spot où on a trouvé qu'il y avait un rocher, c'était juste devant l'entrée d'une plage. Là, pour le coup, le couvre-feu a joué en notre faveur parce que nous, on a réussi à tourner certains plans, dont celui-là, après 19h. Alors que les gens devaient partir à 19h. Et nous, on s'est permis de rester un peu plus. Et ça nous a permis d'avoir des plans comme ça. Je suis même pas sûr qu'on aurait réussi à les avoir en temps normal. Puisque il faisait tellement beau, les gens, ils n'avaient pas à partir de la plage, quoi. Ouais, carrément. Mais on a eu d'ailleurs vachement de chance pour cette histoire de rocher. Parce que tu te souviens, au repérage, il n'y était pas. On n'a pas trouvé de rocher. Ah oui, c'est vrai. Ouais, parce qu'on est parti 2 ou 3 mois plus tôt faire un petit repérage. 3 semaines. 3 semaines. Et en fait, quand avec les marées, parfois, il y a des spots qui sont recouverts. Puis le fameux plan d'effets spéciaux. Il y a eu plusieurs versions qu'on a imaginées et tout. Et finalement, on est parti sur un truc qui tourne, sur un plan qui tourne. Parce que c'était difficile pour moi de faire. Au début, on voulait faire une sorte de traveling et tout. Et en fait, on a tenté un truc où
où ça devait, on devait traverser le sol et revenir sur lui, mais ça ne marchait pas. Ouais, au lieu de faire la transition par le ciel, faire par le sol. Ouais. Pareil, hein, sur les effets, pas besoin d'en faire des caisses hein, parfois. Hein, ouais. Un truc sobre, faut que ça serve l'histoire toujours. Quoi. Puis là, je trouve qu'il y a un petit effet de vertige quand tu as déformé un peu les angles. Ouais. D'ailleurs, si ça vous intéresse, peut-être je ferai un tuto un jour pour cet effet. C'est finalement assez simple, mais ça peut toujours être intéressant un petit breakdown. Et alors ce plan juste après, là, qu'on kiffe tous les deux avec... Attends, je remets en arrière. Ouais, je crois que c'est mon plan peut-être préféré. Avec ouais, les rouleaux, derrière, ouais. Et puis toi, t'as les pieds dans l'eau aussi. Ouais, ben ça, je les ai eu tout du long. Beau, je t'ai préparé des petites surprises parce que du coup bah, on a tourné il y a plus d'un an, c'est difficile de se souvenir de tout. J'ai récupéré les documents de tournage, je les ai retrouvés parce que j'ai dû déménager 3 fois depuis. Ouais. Vous admirerez mes petits dessins, c'est le découpage technique. Je pose à côté du chronique. On y croit ? Non, on y croit pas. Il y avait quand même beaucoup de plans dans ce clip. Et finalement, on a tourné assez vite. On était hyper efficace. C'est l'avantage aussi, parfois, d'être moins de personnes. C'est les informations peuvent passer plus vite. Là, en l'occurrence, je réalisais, je filmais en même temps. Et parfois, ça peut aller plus vite de faire comme ça. Ouais, puis en plus, t'étais en caméra épaule. Ouais, c'était très mobile. Et je vous assure, je flippais tellement. Entre l'eau, le sable, le sel, j'étais hyper attentif à la caméra. Ouais. Entre chaque demi-journée de tournage, je nettoyais la caméra et tout. Faut faire super gaffe à ça. Est-ce que tu te souviens de ce papier ? Ouais. Ça paraît être une autre époque, mais les attestations de sortie, j'en avais fait imprimer plein au cas où. Et puis surtout, le planning. C'est toujours intéressant de voir un planning de tournage pour savoir comment les gens ont tourné, dans quel ordre, parce qu'on tourne jamais dans l'ordre. Et avec cette difficulté que la période sur laquelle on pouvait tourner le matin était quand même assez courte, ce qui nous fallait juste assez de lumière pour pouvoir quand même sortir des images. Et en même temps, pas trop, et en fait, le soleil se lève super vite. Ouais, du coup, c'était un peu compliqué de faire tout à fait. Suffisamment d'images pour cette séquence-là, quoi. Ben ouais, et d'ailleurs, on est arrivé la première fois, on est arrivé trop tard, en fait. C'est ça, parce qu'on a fait 2 matins sur ce... Et oui, alors qu'on en avait qu'un de prévu. Ouais, on s'est dit, on va compter large, et on a bien fait. Et en même temps, heureusement qu'on y a été ce premier matin, parce que les vagues étaient hyper fortes. Et on a réussi à choper des plans très importants, notamment ce plan où t'es de dos en hauteur, qui est un plan iconique quoi, dans le clip. Ouais. Et quand on est venu le deuxième matin, on a tourné beaucoup plus de plans, mais les vagues étaient beaucoup moins fortes. Et puis voilà, quoi, j'ai dû faire un mix entre les deux, mais heureusement qu'on a quand même réussi à tourner 1 quart d'heure, 20 minutes le premier matin. Et ça, c'était mon petit mémo technique avec quel objectif pour quel plan et dans quel ordre on tourne les plans sur une demi-journée. D'habitude, on fait un plan de travail, on tourne jamais dans l'ordre de toute manière. Et là, j'avais fait les plans en fonction de la lumière et des objectifs à utiliser. Parce que ça met toujours du temps à changer d'objectif. Et surtout, je voulais éviter de trop changer pour pas qu'il y ait du sable ou du sel qui s'insère dans la caméra. Du coup, il y avait 2 personnes avec nous. Il y avait Noémie et Yannick qui ont tous les deux joué le rôle d'assistant un peu général, d'assistant réalisateur finalement. On n'avait pas d'accessoiriste à proprement parler, c'est toi qui t'es occupé de tous les costumes et accessoires. Et étrangement, c'est un métier. Et étrangement, c'est un métier et c'est bien d'avoir quelqu'un sur le tournage qui s'occupe dans un coin de faire en sorte que les accessoires marchent bien. Ouais. Je fais un autre petit film sur la guerre d'Indochine dont j'ai déjà parlé où il y avait un accessoiriste et en effet, c'était utile. Pour conclure, qu'est-ce que tu penses de toute cette aventure ? Eh ben, c'était bien crevant. Mais c'était trop cool. Puis vraiment, le résultat, t'as fait un clip magnifique. J'en reparlerai peut-être, je parle un peu moins de technique caméra là sur ma chaîne. Mais du coup, c'était mon premier tournage à la Blackmagic qui permet de tourner en RAW en fait. Et j'avais déjà parlé de cette caméra que j'ai achetée, une caméra cinéma. À chaque fois que je tourne avec, je me dis, mais c'est fou la qualité qu'on en sort. Quoi. Et voilà, il y avait plein de petits défis, comme on a dit, et puis on s'y est bien retrouvé, quoi, finalement. Le résultat est là, ça fonctionne, les retours sont bons. Et Moi, je suis super fier de ce qu'on a fait là-dessus, quoi. Et genre, le deuxième jour de tournage au soir, il y a eu le troisième confinement qui a été annoncé. Ah oui, c'est vrai ?
En avril. Ou alors c'était le premier soir de tournage, mais oui. Et du coup, on est rentré un jour avant parce qu'on a été incroyablement efficace. Mais du coup, on a tracé et. Ah ouais! Et on a fait ça en deux jours au lieu de trois. Bon, ben, je te remercie d'être venu commenter ces images avec moi. Mais merci pour l'invitation. Voilà, c'était un immense plaisir de te recevoir. Je sais que t'as pas trop l'habitude d'être filmé face cam. Et puis, moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Comme je disais, si jamais ça vous intéresse, un tuto sur cet effet qui tourne, moi, j'appelle ça, enfin, nous, on appelle ça l'upside down. Ben, pourquoi pas, c'est pas si compliqué que ça et je peux vous faire un petit tuto pour vous montrer. Et voilà, et puis, j'espère que ça vous a plu. Et puis, à bientôt. Tout simplement. Toi, tu vas pouvoir retourner jouer de la harpe dans la forêt. Ouais, là, car telle est ma vie. Car telle est sa vie.